Fofana. Dan houden toch twee mensen aan de praat. Perst er nog een voorzet uit. Maar die komt te dicht in de buurt van de doelman. Hedji. Hier is Sique. Ja, die kreeg die bal niet echt goed voor zijn rechter. Maar de actie begon wel bij hem. Bij zijn recuperatie was het inspelen en doorlopen. En hij kreeg die bal ook meteen terug. Weer snelle balrecuperatie. Sardella. Die centraal de boel dichtliep. En nu zelf gaat trappen zelfs. Ja, het is een mooie trap van Kylian Sardella. En de eerste echte redding liever in deze wedstrijd is van de Hongaarse doelman. De lange bal van Beignet. En kijk eens, plots vanuit het niks een kans. En dan leggen ze nog terug op. Listes. Nou, die bal zou naast gezeild zijn, maar in laatste instantie ook nog Sardella om redding te brengen. En plots komt Hongarije met één bal gewoon aan een kans. Een lange bal in de rug van de verdediging. Hier goede druk vanwege de Hongaren. Hoog op de helft van de Belgen, de balrecuperatie. Kovac. Ja, en plots is daar Listes. Die liep misschien wat buitenspel, maar de vlag ging niet omhoog. Arne Engels. Eerste zone naar Franks. En Matadzo. Maar Franks had het eigenlijk met zijn linker moeten doen. En Matadzo vooral veel rustiger. En dit is prima van Sique. En goed geklommen door de Winter. Coach is achter de bal. Van der Voort komt ver. En heeft hem. En dat was het meteen voor wat de eerste helft betreft. Ja, eentje zonder al te veel wapenfeiten. De Mario Stroukens. Bien voilà, comment se rendre directement disponible et important. Coup franc. Oh, il est pas mal ce ballon, touché du dessus du crâne par Youssouf Sylla. Le troisième offensif qui presse seul. Et ça passe pour la Hongrie avec la frappe contrée par Ignace van der Bremt. C'est Olaïbe qui vient défendre et Martin van de Voort qui va éteindre cette action. Et voilà le changement avec Lucas Tassin qui va monter, qui va remplacer Sylla certainement, effectivement. Bon, c'est pas une grande surprise non plus. Singer. Ça revient chez Sique. Contrôle et frappe. Non, le contrôle est un petit peu trop extérieur. Avec le centre, pourquoi pas. Dégagement. Ça revient sur la poitrine de Mario Stroukens qui contrôle mais qui est gêné directement. La possession reste belge. Avec Van der Bremt, avec Arne Engels qui va chercher les espaces. Mario Stroukens, le crochet, la passe est pas mal. Olaïbe, la frappe et c'est but. 3 sur 3, Kazim Olaïbe. Il est là, le petit coup d'œil vers le banc. Je ne sais pas si on doit y voir une signification. Mais en tout cas, il est là. Arrête.
Et le pressing, bien joué de la part de Kasimo Laigbe. Crochet derrière la jambe d'appui avec Struikens maintenant. Gardez le ballon. Non, on va chercher Stassin. Struikens, c'était pas mal joué de la part des deux anciens équipiers. C'est Sique qui va céder sa place à Marco Cana. Et victoire qui est donc entérinée avec ce coup de sifflet de Monsieur Yacoubi. Petite victoire.